Première puissance mondiale à cause de la RDC que vous touchez. Quant aux politiciens de la Mouka, de FCC, de Cash, écoutez l'oracle de l'Éternel. Bientôt, il vous sera poussé de convoquer une réunion au nom de la paix de la RDC. Vous allez planifier une rencontre où seront réunis les gens de FCC, de Cash, de la Mouka et ce que vous appelez société civile. Paix en RDC, vous le verrez dans les jours à venir. Voici ce qui adviendra pendant cette réunion. Le feu qui va embrasser la RDC va commencer. Tous les Congolais qui seront dedans auront du mal à s'en sortir. Si vous ne vous repentez pas, je vois tous les Rwandais rentrer en ordre dans leur pays sans être consumés, mais les Congolais sont morts. Revenez à l'Éternel, peuple du Congo. Aujourd'hui, j'ai été placé dans le ventre de ma mère, né dans la souffrance, grandi dans la souffrance. Je prêche dans la souffrance comme... Pas ta profession, Bobomba. C'est vrai que le rendez-vous de la RDC cache un événement de l'ancien régime avec le peuple. Ça, je peux dire que c'est vrai. Un événement, un devant qui cache l'ancien régime avec la population congolaise, les animaux. Mais ce n'est pas heureux, c'est malheureux. Et je ne sais pas le détailler pour des raisons de sécurité. Mais ça dérange quand même. Ça va la consultation. Bata la personne malade. Sauf qu'il me consacre quelque chose dans mon corps. Bon, ça la cirque et batou et mbi. Et ça va salir en ça. Bon, nous allons voir la suite des temps. Et vous vous perfectionnez jusqu'à ce que vous voyez battre. Vous devez consulter les guerres. Les guerres. Et l'orgueil de l'obus de nos amis. C'est que nous sommes au Koyabi. Nous sommes au Sion. Amen. Nous sommes au Koyabi. Amen. Et puis, nous sommes au Koyabi. Donc, on va nous sabiner dans la tête. Spirituel. L'homme est faux. Et le faux, maman. Ils sont dans l'ensemble à l'hôpital. Avant, la gare à Mouindou. La Lili, fournit à Mouindou, Nicolas Ibarra à Mouindou, quoi à son mot là. Mais, on est dans la distance, Lili, à quoi y'a ma lèvre dans les sens armés. À la néotine à chambre. Putain, bon. Bien que, bah, celle d'ensemble, Totosali, tous les politiques ne sont pas irresponsables. Il y en a de ceux-là qui sont ce qu'on appelle, Tobengi Bangoba, ramassis. Et ça va être aussi depuis la période gangrénée. Bah, s'infiltrer insidieusement, bah, se continuer caca. À chaque fois que nous voulons avoir les mangues mûres dans le pays, bah, compter pour que les mangues ne soient pas mûres. Donc, RDC est comme un pays qui rate toujours ses rendez-vous des élections. Vraiment. À cause des ramassis, des gens qui sont corrompus, mais qui sont en train de vouloir entrer toujours pour continuer. Cette année, ces gens-là, l'Éternel est Dieu dit. Toi, y'a ma binoté. Ma gamme, la binoté, toi, y'a capété. Mais on et ne craignez pas pour le moindre de tous. Nous avons Simbanga à Zapi. Vous le comprendrez dans la suite des. Maman, je vais former yo. Tu vas comme vous raison. Je vais passer au en public. Mais je vais tomber.
Qu'est-ce qui va arriver? Quelle attitude prendre? Tokemba on a mukanda ya Sophonie. Sophonie chapitre 1. Tozotanga le verset 15. Ah non, to benga un jour, loba un jour. Amen. Les cours des tribunaux entre les mains de l'Éternel. Les frontières de la RDC entre les mains de l'Éternel. Ces paroles vont commencer à suivre nos enfants. Amen. Les enfants de nos enfants. Amen. Jusqu'à ce que les gens sachent que Congo est une nation prophétique. Face d'Ossimi et Zéabatunios. La politique. Là-bas passé. Amen. Là-bas commerçant. Amen. Ma moutignon soit comme ma gambara mokoy. Amen. Ce qui a tous une zambété à comprendre. Amen. Que le Saint-Esprit se transforme. Amen. 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 Dans l'église de Sarthe, je provoquerai quelque chose à la surprise. Mais je viendrai comme un vol. Inattendu pour ce que vous avez dit. Et lui. Et pour remarquer bien, bouleversement de cette maladie dimension. Il y a une dimension politique lorsque les deux alliés ne s'entendent pas. Mm-hmm. Je crois qu'il va tout le temps s'arrêter. Dimanche, mon unique FCC, la cache mot des OP, les OP, la portée OP, l'église des OP, les OP. C'est un grand signe précurseur que 2021 sera décisif. Il y aura des bouleversements qui vont se faire politiquement et ecclésiastiquement. Je frapperai les bergers. Et le premier sera dit. Alléluia. Maman, Justinovitz, il y a un coach à l'opposé en Zoto Nabino. Aïe Nabakisi, aux autres traités de tempo, Banduta, Bobokona Nena Nena Opesa Gambino, Pepo Soto Nakati en Zoto Nabino. Loco la poche des yeux, Ridna Elongi, Vieissima, au profiter na cash ne au Koma Kobo Melongi, au Koma Koke en Zoto Nosoni, Kobukanate, Lukaka Kamama Justinovitz, au Kozonga Leke Leke, Mouete Mouete. Maman a gagné. Babi, maman, je suis vite. Azo soigné, nous sommes allés le poser en tout ton abino. Yo, nous sommes allés là-bas tempo. Et ça, la caisse en 26 la caté. Et le nien Zuluka. Et comment le combat tout mène à des pommes à cala. Yaka, pote, vite, docteur Zaka Kamoko. Coach Zaka Kamoko. Kozoé et Zanamo facile. Azapé na Facebook. WhatsApp, basit, nous sommes internet. Ce qui est le nom de produit, nous avons livraison à Moza partout dans le monde. Tobeta, www. Justinovitz.com. Azoce la paix intuitive. Tobin Abiso Awana. Plus 44 74 24 025 737. Nabouane Lissoussou. Plus 44 74 24 025 737. Balapa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur nos deux chaînes respectives, Évangéliste Roger Baka Télévision, ainsi que Nouvelle Tendance Télévision. Bienvenue à ce tout nouveau numéro. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner, cela s'est fait gratuitement, allez rapidement. Faites beaucoup plus de commentaires par rapport à cette vidéo, faites le maximum de partage et aussi beaucoup plus de commentaires, de likes. Et ça nous fera énormément plaisir. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous précisons à la prise de vue, nous avons Gédéon Loaé et Yoshi également qui est là. Et la réalisation qui est assurée par Jordan Panzou, Merveille. En tout cas, nous vous disons clin d'œil spécial, mesdames et messieurs. Nous traversons déjà le mois de décembre et l'année 2020 va pratiquement toucher à sa fin. Voilà, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir encore sur ce plateau pour la énième fois
l'homme de Dieu, le moindre de tous, évangéliste Roger Baka, et qui est notre invité, avec qui nous aurons à toucher plusieurs points en ce qui concerne l'actualité et toucher aussi plusieurs révélations en ce qui concerne aussi du côté spirituel, parce que nous devons quand même comprendre beaucoup de choses et surtout que la Bible nous dit racheter les temps car les jours sont mauvais, et nous le voyons déjà, c'est très... Merci beaucoup Alain Delay. Que le Tout-Puissant de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth, les rejetons de la postérité de Jacob te bénisse. Amen. Nous avons pris une lourde responsabilité, notamment de présider à la destinée évangélique du peuple d'Élohim. Que l'Éternel le bénisse, tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous. Que l'Éternel Dieu vous protège où que vous soyez, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il me fut dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, le verset 16 au verset 17. « Vois, je te fais sortir du milieu de ce peuple vers qui je te renvoie, afin que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon de péchés et la bénédiction que l'Éternel a promis à tous les sanctifiés. » Ce message est répertorié, complété, par Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, sa gloire apparaît. Les peuples marcheront à la clarté de tes rayons. Parole complétée par Ézéchiel, au chapitre 33, le verset 1 jusqu'au verset 6. Fils de l'homme, voici, je t'établis devant la maison comme un sentinelle. Si tu vois le malheur venir, tu les avertiras de ma part. Voici aujourd'hui encore celui qui est connu sous le nom de moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu, le galéréen. Il se tient debout pour exercer le ministère en faveur de tous les saints de Sion. Que Dieu vous bénisse. C'est parti pour une nouvelle émission qui va encore vous édifier. Merci beaucoup. Alain Delay. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous touchons plusieurs points, mais le tout premier point, et nous allons toucher la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, qui traverse une période de pression d'ailleurs, parce que l'homme de Dieu, il n'y a pas très très longtemps, je crois au mois de septembre, vous avez annoncé beaucoup de choses pendant que vous étiez en prière, et aujourd'hui, nous sommes en train de voir cela s'accomplir dans notre pays. Et on se pose la question, la manière dont nous sommes en train d'observer les choses, qui avance avec une vitesse intense. Alors, ça crée quand même de la peur, en fait. On se demande où va le Congo. Quelle lecture faites-vous par rapport à tout ceci? Merci beaucoup, Alain Delay, d'avoir cette observation très précise de l'histoire de l'Église en rapport avec l'histoire politique. Les deux domaines, politique et ecclésiastique, marchent de pair. Ils vont dans la même direction, mais pas dans le même chemin. Il y a un renouvellement de la génération politique qui marchera de pair avec le renouvellement de l'élite ecclésiastique. Okay. Quand les sacerdoces tombent, le domaine politique va se suivre. Je vous ai dit, lorsqu'on a commencé à voir la duplicité ou le bicéphalisme de l'Église des réveils au Congo, je vous avais prévenu, ça sera suivi d'un bouleversement politique. Il nous a été instruit à la fin du mois de septembre de faire 5 jours de prière. Certains l'ont suivi. D'autres ont encore les images qu'ils peuvent suivre. Pendant cette période de la prière, l'Éternel nous a demandé, le 5e jour, nous devions prendre l'humiliation du peuple congolais, le porter sous forme de sac. Ce que vous avez vu, image qui a été insultée, mais qui est aussi acclamé par ceux qui comprennent la lecture des choses spirituelles. Lesquels sacs ont été brûlés? Je crois que Yoshi peut vous donner les images. Alors, quand on a brûlé les sacs, nous avions dit, Éternel, prends sur toi, à travers les épreuves dures, l'humiliation des peuples congolais. Vous le verrez en images. Il y avait le mystère du vase brisé. Et j'ai dit des paroles juste avant que je ne puisse briser le vase. Et ça en est suivi des prophéties qu'on a données, avec ton autorisation. Voyez en image, et vous verrez que l'Éternel a suscité une nouvelle génération ecclésiastique
et une nouvelle génération politique. Vous le suivrez dans la suite des temps. Mais en attendant, nous sommes dans l'accomplissement d'un schéma prophétique que certains qui nous ont suivis ont la capacité de lire les événements, de regarder les prophéties et disent « Cette histoire va s'accomplir. » Ce qu'il avait dit là, nous le sentons venir. Sion, que Dieu vous bénisse. À toi les images. Merci beaucoup. Alors, nous prenons ces images. 3 mois, je crois que ça fait déjà 3 mois pratiquement, parce que ce sont les images qui datent du mois de septembre. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, pour ne pas dire peut-être que non, Bazukara image, allez-le. Alors, prenons d'abord les images et on se retrouve tout juste après. Suivons. Première puissance mondiale à cause de la RDC que vous touchez. Quant aux politiciens de la Mouka, du FCC, des CASH, écoutez l'oracle de l'Éternel. Bientôt, il vous sera poussé de convoquer une réunion au nom de la paix de la RDC. Vous allez planifier une rencontre où seront réunis les gens de FCC, de CASH, de la Mouka et ce que vous appelez société civile. Et en RDC, vous le verrez dans les jours à venir. Voici ce qui adviendra pendant cette réunion. Le feu qui va embrasser la RDC va commencer. Tous les Congolais qui seront dedans auront du mal à s'en sortir. Si vous ne vous repentez pas, je vois tous les Rwandais rentrer en ordre dans leur pays sans être consumés, mais les Congolais sont morts. Revenez à l'Éternel, peuple du Congo. Aujourd'hui, j'ai été placé dans le ventre de ma mère, né dans la souffrance, grandi dans la souffrance, je prêche dans la souffrance comme... Pas ta profession, Bobomba. C'est vrai que le rendez-vous de la RDC cache un événement de l'ancien régime avec le peuple. Ça, je peux dire que c'est vrai. Un événement, un devant qui cache l'ancien régime avec la population congolaise, les animaux. Mais ce n'est pas heureux, c'est malheureux. Et je ne sais pas le détailler pour des raisons de sécurité. Pour le moment, ça va arrêter mes colos là. Mais ça dérange quand même. C'est pas mon consultation. Bata la personne malade. Sauf qu'il faut qu'on sache quelque chose dans mon corps. Bon, ça la cirque et batoubo et mbi. Et ça va salir en ça. Nous allons voir la suite des temps. Et vous pouvez traduire ce nid jusqu'à ce que vous voyez Bangoko. Vous devez consulter les têtes et l'orgueil au bisou des amis. C'est que bisou tokoyate. Maman a mis son sillon. Amen. Bisou aéra pour nous cabisou. Amen. Et puis tu as dit que Bangoko va te. Donc on va lui saber la tête. Spirituel. L'or est faux. Il faut vraiment. Ils sont dans l'ensemble à l'habité. À mon la mouindou. La lili. Fourni à Mwendo, Nicolas Ibarra à Mwendo, Kola Zomonae. Mais, on est en train de se dire, à quoi il y a ma à la chambre. Bien que, Bassel Nanzambe, Totosali, tous les politiques ne sont pas irresponsables. Il y en a de ceux-là qui sont ce qu'on appelle, Tobengi Bongo, Ramassi, et ça va être depuis la période gangrénée. Bah, s'infiltrer insidieusement, bah, se continuer caca. À chaque fois que nous voulons avoir les mangues mûres dans le pays, bah, continue pour que les mangues ne soient pas mûres. Donc, RDC est comme un pays qui rate toujours ses rendez-vous des élections. Vraiment.
à cause des ramassis, des gens qui sont corrompus, mais qui sont en train de vouloir entrer toujours pour continuer. Cette année, ces gens-là, l'Éternel est Dieu dit. Toi, okay. Yamabinote. Madame la binote, yo capete. Mais on va bonger ça pour ça. Et comme la bino, et comme la bino malheur. Et ne craignez pas pour les moindres de tous. Mon tako simbanga a zapi. Na minute va te ba otso pete mbi ba bia elo kuzai. Na ba o wana na lobi na bango, ba tanga ma komito tanga ki ba lobi, vous le comprendrez dans la suite des temps. Maman na soir formé yo. Ba tu ba komi ko pesa nzambe re, raison. Na va passer va finir en public ba komo songa sima. Mais ma kambolo ba ki yango te. Ba retomber tozo mona. Qu'est-ce qui va arriver? Quelle attitude prendre? Tokemang on a mukanda ya sophonie. Sophonie chapitre 1. Tozotanga le verset 15. Ah non, to benga un jour, loba un jour. Un jour. Amen. Le cours des tribunaux entre les mains de l'Éternel. Amen. Les frontières de la RDC entre les mains de l'Éternel. Amen. Ces paroles vont commencer à suivre nos enfants. Amen. Les enfants de nos enfants. Amen. Jusqu'à ce que les gens sachent que Congo est une nation prophétique. Amen. Face de Simuri et Zéa Batunios. La politique. Là-bas passé. Amen. Là-bas commerçant. Amen. La moutignon soit comme ma gambara mokoy. Amen. Ce qui a tossin zambete à comprendre. Amen. Que le Saint-Esprit se transforme. Amen. 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 Dans l'église de Sarthe, je provoquerai quelque chose à la surprise. Mais je viendrai comme un vent. Inattendu pour ce que vous avez dit. Et lui. Et bon, remarquez bien, bouleversement sur cette maladie dimension. Il y a une dimension politique lorsque les deux alliés ne s'entendent pas. Je crois qu'il va coûter un samedi. Dimanche. Vous connaissez FCC, la cache mot des OP, les OP, l'église des OP, les OP. C'est un grand signe précurseur que 2021 sera décisif. Osana. Il y aura des bouleversements qui vont se faire politiquement. Et ecclésiastiquement. Voilà. Quand on a entendu Moïse, je frapperai les bergers. Et le brebis sera dit. Alléluia. Alléluia. Là, je suis en train de se faire un peu de temps. Est-ce que je peux faire un peu de temps? Le monde est en train de Nous sommes de retour sur ce plateau, nous avons suivi les images et les images ont parlé d'elles-mêmes. Homme de Dieu, ouais. Face à tout ce qui se passe actuellement, il y a encore une orientation que les enfants de Dieu doivent observer? Mon frère, il est temps pour tout le monde de connaître le message de l'Apocalypse. C'est le moment. Nous ne sommes pas à une période où quelqu'un se permettrait de venir à la télévision ou de venir sur Internet distraire la population sur le ministère de la prospérité. Ça n'a plus de place. Tu viendras parler de la délivrance, ça n'a plus de place. Combat spirituel, ça n'a plus de place. Il est temps que l'épouse qui représente l'église du Seigneur Jésus-Christ se prépare à la rencontre de son époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le message global est dans le livre d'Apocalypse. Je vais te dire quelque chose de très important. Le 1er mai 1776, un mouvement est créé par un prêtre jésuite nommé Adam Weishaupt, très plongé dans le judaïsme. Ce monsieur va initier une nouvelle forme de magie qui sera tirée de la Kabbalah, qui s'appelle la franc-maçonnerie. Pour la version intellectuelle, il appelle ça comment? Il dit, c'est le mouvement des illuminés, des gens qui ont une certaine connaissance au-delà de la connaissance normale. Maintenant, quand tu poses la question, y a-t-il quelque chose à suivre de près? Mais oui, il faut suivre cela de près parce que l'avenir a été prédit.
Quand on dit que l'avenir a été prédite, j'aimerais quand même demander aux amis qui sont à la maison, avant de raconter des choses sur moi, avant même de changer l'émission, frère, ne peux-tu pas nous confier un fils qui est 35 minutes? De toutes les façons, un intellectuel ne refuse rien qu'il n'a entendu, qu'il n'a vérifié. Maintenant, lisons. En vous disant quoi? En vous informant que qui dit les globalistes dit mondialiste. Qui dit mondialiste dit objectif de la franc-maçonnerie. Quoi? Un seul gouvernement mondial. Ça, c'est des 1. 2. Une seule religion mondiale. Je vais en parler quand on va entrer dans les décodages. Les globalistes, parmi lesquels se trouve Joe Biden, qui diront en anglais Joe Biden, c'est un groupe d'hommes, y compris Bill Gates. Je vous ai cité des noms ici. Ces gens-là, quand on dit globaliste, je te dis une chose très claire. Quel était le souci d'Adolf Hitler? C'était de conquérir le monde. Les mondes. C'est un projet qui existe déjà. Le projet de conquérir le monde, c'est un projet qui existe déjà. À l'endroit, il faut seulement que les gens sachent, on veut seulement réanimer la bête ou l'image. Regarde, quand il veut prendre le monde entier en otage, quel est l'ennemi direct d'Adolf Hitler? La population qu'il voulait décimer de la terre. C'était quoi? C'est le juif. Vous ne comprenez pas que c'est le même mouvement qui veut reprendre la même réalité. Adolf Hitler veut conquérir le monde entier, mais il choisit un peuple qui doit effacer sur la terre, qui doit procéder à la dépopulation. C'est les enfants d'Israël, les juifs. Combien de juifs ont été tués? Maintenant, Hitler représente l'oligarchie, que nous appelons le globaliste et le mondialiste. Quel est le souci? Comme Hitler, posséder le monde, et entrer en possession de toutes les ressources minières du monde. Quel est le peuple qui constitue l'ennemi? C'est les juifs spirituels, c'est les chrétiens, le christianisme. Donc vous voyez que vous êtes devant le plaquage d'une idéologie qui existe déjà, mais que les gens ne prêtent pas attention. Regarde bien ce que je vais te dire aujourd'hui, ce que tu as dit que les gens doivent retenir. Ils doivent retenir deux phénomènes. Le premier, c'est que le nouvel ordre mondial, qu'on appelle le NWO, doit créer ce qu'on appelle un seul gouvernement mondial. Donc, réduire la population mondiale de 7, 8, 9 milliards à 3 milliards pour parvenir à un bon contrôle. Deux, créer une seule religion mondiale. Donc, mélanger l'islam, le bouddhisme, bref, l'œcuménisme, c'est une image ou quelque chose de fabriqué pour combattre les Christ. Les Christ. Ce n'est pas la première fois, je vais le développer après. Trois, une seule armée mondiale, qu'on appelle l'OTAN, qui est censée organiser des coups d'État, qui est censée renverser le système politique de toutes les nations qui veulent résister à l'idéologie de la conquête du monde par le nouvel ordre mondial qu'on appelle les Illuminati. Ce n'est pas fini. Nous sommes en train d'évoluer vers les autres objectifs qu'ils commencent déjà à mettre en place. Nous sommes en retard par rapport à l'information. Pour combattre les gens qui veulent donner le vaccin, nous sommes plus ou moins en retard des 17 ans d'information. Alors quand je reprends comme ça, les gens devaient fournir un effort d'écouter, ça peut nous permettre de récupérer 3 ans et demi ou 4 ans. Maintenant, l'information que je voudrais donner ici, c'est qu'il y a deux phénomènes de la fin des temps que toi et moi, nous sommes censés savoir. Que tous ceux qui habitent les États-Unis d'Amérique sont censés savoir. Que tous ceux qui habitent l'Europe tout entière, les Asiatiques ainsi que les Africains, nous sommes commis à avoir cette information. Quelle est cette information? À l'aide de l'information est telle que deux bêtes entrent en vigueur. Deux bêtes. Deux bêtes. Lisons la première bête. Apocalypse, au chapitre 13, le verset 1. Apocalypse, au chapitre 13, le verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'apôtre Nélé marche avec déjà sa Bible, et vous qui avez demandé de chercher la Bible, avez-vous vos Bibles à la maison, mes frères? Mais les gens t'acclament.
Ils ont dit, mais papa, apôtre Ndé, là, une Bible. Non, ne vous y trompez pas. L'Éternel sait pourquoi il touche les gens qui ont une certaine perception intellectuelle des choses pour en faire des âmes, des gens qui vont vraiment défendre l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, si nous sommes sur Apocalypse chapitre 13, le verset 1, je t'ai dit, il y a combien de bêtes? Deux bêtes. Ok, on y va. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Ami, si tu peux lire avec nous, ça me fera énormément plaisir. Mmh. Apocalypse 13, 1, retiens bien, on dit quoi? Le terme c'est la bête qui monte de la mer. Mmh. Cette bête monte de là? De la mer. Ok. On dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Mmh. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna la puissance, son trône et une grande autorité. Ça, c'est la première bête qui monte des... De mer. Voilà. Donc là, tu retiens bien. Tu commences à maîtriser l'Apocalypse, mon frère. C'est un livre que les gens perdent souvent à l'aide des livres. Tu sais pourquoi? Et c'est très symbolique. Il y a tellement de symboles que les gens finissent par dire Apocalypse, we don't like it. Ça complique les gens. Non, Apocalypse est très facile. Seulement, il faut suivre quelqu'un qui a reçu une certaine révélation de la part de l'Éternel. Maintenant, la deuxième bête qui monte, c'est quelle bête? Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Deuxième bête, notez. C'est quoi? La bête qui monte de la terre. Donc, il y en a deux. Vous avez deux bêtes vers la fin des temps. Une bête monte de la mer. Une deuxième bête monte quoi? De la terre. Or, la plus grande mer que nous avons au monde, c'est quelle mer? C'est la mer méditerranéenne. Donc, au-delà de la mer méditerranéenne, il y a une autre bête qui montera. Mais deuxième bête, c'est une bête qui monte de la terre. Quelle représente cette préfiguration des choses? Voilà là où l'humanité... Beaucoup de gens n'ont pas voulu prêter attention à ces éléments. Et pourtant, l'ascension de Joe Biden représente cette bête qui monte de la terre. C'est l'entrée en vigueur de la bête qui monte de la terre. Mais quand tu liras la bête qui monte de la terre, tu comprendras pourquoi nous parlons aujourd'hui des épidémies, pourquoi nous parlons de pandémies, pourquoi nous parlons des vaccins. C'est pour rejoindre l'autorité de la bête qui monte de la terre qui doit avoir la domination du monde. Maintenant, comment il aura la domination du monde? Est-ce que la Bible a-t-elle prévu cela? Mais oui, c'est ce que nous appelons quoi? Un seul gouvernement mondial. Si c'est un seul gouvernement mondial, donc la terre serait dirigée par une personne. Cette personne représente la bête qui monte de la terre. Mais maintenant, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à cela? Pour que nous croyons effectivement. Non, ce que le frère Roger dit, ça peut être la vérité. Mais lisons maintenant Apocalypse, au chapitre 13, le verset 11. Et lorsque tu verras le verset 12, tu comprendras quelle est cette bête qui monte de la terre. Hosanna. Bien-aimé, il est temps que l'Église écoute les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Il a prévenu ces choses. Mais tellement les gens n'étaient pas attentionnés. Il y a eu des faux prophètes qui sont venus avec le mystère de l'iniquité et de l'apostasie. Ils ont séduit le peuple pour que l'Évangile soit basé sur les aliments, le vêtement, le manger et le boire. Or, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Entrons dans la révélation. Car la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans. Ne laissez pas les gens qui sont en Amérique marcher en désordre. Non, le vaccin représente quelque chose. L'Église doit savoir que le vaccin représente quelque chose. Apocalypse chapitre 11, chapitre 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, n'est-ce pas? Voilà. Il avait combien de cornes? Deux cornes. Semblable à celle d'un agneau. Et il parlait comme un drap. Un dragon. Regardez cette bête. Une bête. Il a des cornes. Il a des cornes comme quoi? Il a des cornes comme celui d'un agneau. Oui. Au monde. L'agneau représente l'animal le plus doux de la terre. L'agneau que tu vois là. C'est pourquoi Christ n'a pas pris la forme de la brebis. Il n'a pas pris la forme de bouc. On l'appelle l'agneau immolé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui respecte la conscience. On a dit ici, regarde bien Alain Dele. La révélation nous apprend que c'est un animal qui avait des cornes. Mais semblable à celle d'un agneau. Mais vous ne comprenez pas. Un animal qui a des cornes, mais il ressemble à un agneau. On nous parle d'une religion. On nous parle d'un système. Mais c'est un système apparemment qui est comme un agneau.
Donc, dans son apparence, il respecte la liberté des religions. Parce que, oui, la douceur. C'est ça les caractéristiques de l'agneau. Tant que vous entendrez parler de l'agneau, comprenez qu'on parle d'un mouvement qui a trait à la liberté et la conscience. Or, ce système est représenté par le système papal. C'est l'aule qui sont au milieu de nous. Les symboles et les codes nous préviennent les choses qui vont venir. Ce qui veut dire, la bête qui monte de la terre représente un système qui semblerait respecter la liberté, mais c'est une religion qui semble respecter aussi la conscience. Mais on dit ceci. Ce qui est drôle dans cette histoire, cet animal qui est semblable à l'agneau, qui a des cornes, on ajoute, on dit quoi? Il parlait comme un dragon. Comme un dragon. Oh, comment un animal qui a l'apparence de l'agneau fera sortir l'enfant d'un dragon? C'est grave. Papa, je te dis, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, feraient mieux d'écouter ces messages. Les trois continents que je viens de citer, ce sont les trois continents qui respectent les droits de l'homme. C'est eux qui nous ont amené la notion des droits de l'homme. C'est eux qui nous ont amené la notion de la liberté et le respect de la liberté. Mais ce sont des pays de vieilles démocraties. Mais on vous signale ici, l'animal a des cornes. Les deux cornes représentent des autorités. Les deux autorités représentent l'État et la religion. Celui qui représente la première corne, c'est le système papal. C'est le dernier pape que vous venez de voir ici. Le tout dernier pape qui respectait, qui craignait les choses, il avait démissionné. Mais la question, les gens ne se sont pas posés. Pourquoi, pour la première fois, un pape avait démissionné? On vous dit, cet animal, il a la forme d'un agneau. Mais on vous ajoute qu'il a des cornes. C'est pour dire aux gens qui croient que on ne va pas violer leurs droits en Europe, ils commettent une erreur. Bientôt, le pays qui a la forme de l'agneau, le continent qui respecte la liberté et les droits de l'homme, vont vociférer comme des dragons. Bientôt. Tu commences à comprendre la prophétie. Donc la bête qui sort de la mer, c'est une autorité, c'est un pouvoir. Nous avons dit que cet animal est comme l'agneau. Maintenant l'agneau c'est le symbole de la douceur, c'est le symbole du respect de la liberté et le symbole du respect de la conscience. Maintenant écoute-moi très bien. On dit qu'il parlait comme un dragon. C'est-à-dire, toi tu as déjà vu le fait des dragons respecter une matière. Quand le dragon fait war, c'est tout, partout là où le feu est passé, sera consumé. C'est ça ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Vous ne voulez pas écouter ce que nous vous imposons, nous allons faire disparaître votre pays. Ils vont organiser des coups d'État. Là où vous refusez le système de nouvel ordre mondial, vous voulez vous opposer à la pandémie, vous voulez vous opposer à l'épidémie. Bien aimé, sachez que vous aurez les effets des dragons. Dire que nous marchons, mais tout était écrit. Maintenant, les deux cornes représentent quoi? Les deux cornes du système. Je te dis que l'animal représente le système. Mais seulement les deux cornes représentent, la première corne c'est l'État, la deuxième corne c'est la religion. Il y aura au niveau de l'État un seul gouvernement mort, représenté par les États-Unis d'Amérique. Tel que nous avons parlé de la pyramide. Bon, maintenant il viendra deuxièmement, la deuxième corne qui entre déjà en vigueur. C'est quoi? Religion. Une seule religion mondiale. Ok. Maintenant, nous allons expliquer les choses. Ah, mon frère, tu commences à combattre l'apocalypse. Donc, toi et Dieu, donné, vous pouvez faire une conférence. Osana. Papa, ce moment-là, Matimoussou Bakanis, tu sais, Bassel Bamakelele, tu as réussi à distraire Baka. Non. Baka a décidé de commencer le débat. Et Baka a décidé de clore le débat. Donc, ce n'est pas la vie. Ah, tolo, binde, nasi na bagina, ti, nasi ki. Bon, ma kambo boy, tolo, baboy, papa nanga. Que les gens aillent se vautrer dans des futilités. Rentrons dans la parole, déchirons les saintes écritures, pénétrons la vallée de l'inspiration, entrons jusqu'au plus profond des vallées des écritures, retirons les perles pour donner au peuple des dieux. Mais ça, c'est la yango, papa, ils n'ont pas besoin de bêtises. Alors maintenant, ah, ça fait bien. Ça va bien. Ça va. Hein? Apocalypse 13-11. Ces livres ici, on avait peur de lire ça quand on grandissait. Oh, la bête qui monte de la mer. Et la bête. Mais papa, la bête qui monte de la mer, tout ça, vous battez. Retiens que les deux cornes représentent quoi? La première corne, c'est l'État. L'État. Représenté par les États-Unis d'Amérique. États-Unis. La deuxième corne la représente religion. La Ok. Maintenant, je voudrais quand même expliquer un peu les choses.
puisqu'ils veulent posséder le monde entier, est-ce que la Bible a-t-elle prévu cela? Oui, Apocalypse 13, lisons, 11 à 15. Puisque les gens disent quoi? Tu vois quand même, les gens sont audacieux. Ils ne nous feront rien. Papa, lis Apocalypse. Lis Apocalypse, tu vois que la bête avait reçu le pouvoir. Nous sommes dans le temps où l'Église doit se renseigner par rapport à l'Apocalypse, aux sept églises, aux sept trompettes. Les gens doivent vous chercher à décoder ces histoires-là d'Apocalypse. Ah non, on ne nous fera rien. Non, on ne va pas voir le vaccin. Non, on va rester à la maison. Papa, lis Apocalypse et tu verras si la bête ne viendra pas à la maison. 12. Ah, Vandis, c'est qui m'a mangé? Vraiment. Mais oui, ouais, parce qu'il faut savoir dire la vérité au peuple de Dieu. Ce qui fait le combat de Roger Baka aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi aussi, je vais créer maintenant une nouvelle majorité. Une nouvelle majorité? Bah, il faut requalifier la majorité. Moi aussi, je dis ça. En politique, on a vu les choses basculer là-bas au Parlement. Qui dit que Batalimete va se sur la Batébélé? Non, les gens de l'Imete n'ont plus de gens. Nous allons requalifier la majorité spirituelle. Nous allons faire tomber tous les grands pasteurs, les Batignons, c'est fini. C'est sur ordinaire. Notre secrétaire général, il y a ERC Tozolongola. Notre président, ERC Tozolongola. Nous allons requalifier la majorité spirituelle. Maman, il faut me compliquer, papa. Ah, bah, ta politique, bah, quoi, bah, passer la calafou, bah, quoi, bah, quoi. Bah, tu n'as pas gêné, bah, mieux. Yaya, ne transporte plus les sacs de quelqu'un. On te donne l'argent, s'il te bat, quand tu dis non. Pétition. Baka a engagé une pétition. Il faut requalifier la majorité spirituelle. Nous sommes nombreux, papa, nous sommes nombreux. Les gens qui veulent le changement des choses, le changement, réprêcher l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, enseigner le peuple à connaître l'air de Dieu. Les gens ont besoin de ça. Voilà pourquoi, à défaut, peuple d'Elohim, je reviendrai vers vous. François, vous connaissez ça, excusez. Nous allons dissoudre les gens de l'humanité, mon frère. Rentrons maintenant en attendant que nous organisions la pétition. 12. La bête, elle est représentée par elle. La Bible dit, elle exerçait toute autorité. Tu entends? Sur la première bête, en sa présence. Mon frère, la première bête, c'est... Je t'ai dit qu'on parle de deux bêtes. La première bête, on dit la bête qui monte de là, de la mer. Maintenant, on dit la deuxième bête qui monte de la terre, exercera l'autorité sur la première bête devant sa présence. C'est devant les États-Unis comme ça qu'ils vont voir le pape être en train d'organiser. Donald Trump est tombé pourquoi? Le premier jour où Donald Trump a déclaré ses histoires en public pour dire qu'il n'est pas pour ces gens de globalistes. Papa, ça n'a pas pris du temps. Immédiatement, l'un des 13 gouvernants du monde a fait une déclaration. Vatican maintenant va prendre la domination. Rappelle-toi l'Apocalypse 16. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Hein, comment? Oui, on avait divisé par 12. Ouais, ça faisait 3 ans et demi. Donc ça fait dire qu'en 2020, jusqu'en 2023, au mois de juillet le 30, c'est Vatican qui va gouverner le monde. Il mettrait le président qu'il veut. Voilà pourquoi, pour ne pas provoquer les uns et les autres. Vous voyez tous les présidents, quand il sort, il va où? Vatican. Vous comprenez maintenant les choses. C'est là où sortent maintenant les instructions. Et pendant ces moments-là, la Bible nous enseigne qu'il avait reçu l'autorité de dominer sur tout le monde. Mais puisqu'il veut créer trois choses que nous avions dit. Un seul gouvernement, mon Dieu. Deux, une seule religion, mon Dieu. Trois, une seule armée, mon Dieu. Voilà. Quatrièmement, c'est quoi? Une seule monnaie mondiale. C'est la raison pour laquelle tu vois aujourd'hui, primo, la Chine. Plus question de vous promener avec vos cartes bancaires. Vous pouvez jeter. On te met la puce, reconnaissance faciale. C'est fini en Chine. On n'a plus besoin de circuler avec l'argent. Voici une nouvelle monnaie, une puce. Tout est là. Tout est là. L'identité. Vous acceptez que oui, on vous implante la puce, soit au niveau de la main droite là, ou soit une identification de la marque sur le visage. Vous venez comme ça, vous souriez seulement, et la porte vous reconnaît, et toutes les données de votre vie sont données. Pour ne pas aller là-bas, je t'informe que aux États-Unis d'Amérique, pendant que je te parle, la domination vient de commencer. Tu ne peux pas sortir des États-Unis d'Amérique
si au préalable, trois jours avant, tu n'es pas venu au niveau de l'aéroport pour te faire contrôler ou en termes de check-up ou en termes de vaccin. C'est vrai, c'est déjà mis en pratique. Maintenant, la question qui se pose, si la bête qui sort de la terre représente le système papal, est-ce que ces gens ici, bon, mais ma vie, sont wapi, ils nous amènent hein, où? Lisons la parole de l'Éternel parce que, mon frère, c'est très important. Les gens sont en train de perdre le temps dans beaucoup de choses. Il est temps que nous restions dans les Écritures. Amen. Lisons le verset 12, on va à 15, et puis nous allons interpréter en termes de code. Hein, mm-hmm. Pour te dire maintenant, ce système-là est représenté symboliquement par quoi? Mm-hmm. Parce qu'ici, nous décodons le code. Mm. Voilà. Puis, elle exerçait l'autorité sur toute la terre et sur la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait les grands prodiges. On saute, on va dans 15. Mmh. Et il lui fut donné 15. Et il lui fut donné. Il lui fut donné d'animer. Mmh. L'image. Ah, d'animer quoi? L'image de la bête. Ok, afin que. Afin que l'image de la bête parle. Et qu'elle fasse. Et qu'elle fasse. Que tous ceux qui n'adoraient pas, l'image. L'image de la bête soit tuée. Tu vois pourquoi on te dit qu'il y a des camps d'isolement? Mmh. Hmm. La bête représente quoi? Mmh. Il faut d'abord que les gens sachent ce qu'on vient de dire ici. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand on dit, il lui fit donner d'animer l'image. Il lui fit donner d'animer quoi? L'image. Oh, l'image, c'est la représentation de quelque chose qui existe déjà. Mm-hmm. Tu ne peux pas voir l'image si l'homme n'existe pas ou si l'objet n'existe pas. Ça veut dire, l'objet existe déjà, mais il faut maintenant donner vie à cet objet. Donc, il lui faut donner le pouvoir d'animer l'image, de rendre pratique la mondialisation, de rendre pratique la globalisation, de rendre pratique l'internationalisation, de rendre pratique la transnationalisation. Mmh. Maintenant, nous sommes dans la phase pratique des choses. Et celui qui va refuser d'honorer ou d'adorer le mouvement papal dans le nouvel ordre mondial, se verra-tu? Mais c'est clair et net, mon frère. Quand vous voyez dans le système de la dépopulation, Hitler voulait éteindre les Juifs, mais pour posséder le monde entier. De la même façon, le globaliste veulent obtenir le contrôle total de l'humanité jusqu'à imposer l'État, c'est la religion c'est l'État. Tout celui qui va refuser d'accepter ce mouvement-là, quel qu'il soit, il sera tué. Et c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est la quand parole. On dit aux gens que vous allez aller dans des camps de concentration, pour aujourd'hui ils rêvent. Mais tout ce que j'ai dit hier, ils commencent à les voir. Et c'est pour dire, mon frère, ce n'est pas le temps de la distraction. Effectivement. C'est le temps de comprendre le langage de la peau. Apocalypse. C'est pourquoi il faut poser le fond. Le fondement. Bon, maintenant, on va poser le fondement avec les codes et les symboles. Mmh. Bien aimé, excusez-nous, nous tournons dehors. Il y a quelqu'un qui est là qui va dire, oh, frère Roger Bac, je crois qu'on va tourner dans l'émission, tout le monde a une voiture, il y a un voisin. Tu ne vendais pas ma voisin. On est chez le voisin. Pardon, on est chez le voisin. Oh, bamba, bamba. Ami, on est avec ta voisin. Hosanna. Bon, mon frère, qu'est-ce qu'on entend par image? C'est la représentation d'un objet qui existe déjà. Ok. Donc, la formule réelle de la conquête du monde existait par la pensée de Hitler. Le peuple qu'il fallait exterminer, c'est le peuple juif. 6 millions de personnes sont passées au four crématoire. Pour Hitler, les Juifs sont un peuple qu'il faut exterminer de la terre. C'est de la même façon que vous verrez maintenant, avant que je ne fasse le décodage, que vous allez remarquer un mouvement qui s'est fait. Le mouvement, c'est quoi? C'est que depuis longtemps, le diable a toujours cherché à détourner les résidents de la terre de la vraie adoration. Satan a toujours cherché, à travers les illuminés et ses confrères de religion, à détourner les résidants de la terre du véritable adorateur, la créature incréée qu'ils doivent adorer. C'est la raison pour laquelle, lorsque Moïse est monté 40 jours, 40 nuits à la montagne, derrière, le diable a incité Aaron à fabriquer le veau.
le veau d'or. Ce n'est pas en vain. Il a suscité, à un moment donné, qu'ils fabriquent, qu'ils adorent les images, qu'ils adorent beaucoup de choses. En fait, par là, je voudrais dire quoi? Je voudrais tout simplement annoncer à tous mes frères qui me suivent que le diable, depuis un moment donné, a fait augmenter ou a fait sortir de la terre un mouvement qu'on appelle le mouvement de l'écuménisme. Écuménisme veut dire les bouddhistes, l'islam, le catholicisme. C'est-à-dire, nous pouvons faire la fraternité et prier ensemble. C'est ça ce qu'on appelle le livre que le pape a écrit au grand imam d'Abu Dhabi, Toko Sangana. Ça s'appelle la fraternité. Le mouvement écuménique, c'est un mouvement créé pour détourner le christianisme de l'essentiel. Or, le mouvement écuménique, c'est ce qu'on appelle la nouvelle religion mondiale. Mais il y a beaucoup de représentations que les Américains, que les Anglais, que l'Italie ont financé. Les gens sont en retard et c'est à peine 20 ans plus tard que les choses ont commencé à être mises en pratique, que les gens commencent à se réveiller. Il lui fit donner le pouvoir pendant 42 mois. Quand vous prenez 42 divisé par 12, ça vous donne 3 ans et demi. Donc à partir de l'an 2020, qui est l'année de référence par rapport à 20 plus 20 dans la numérologie, qui donne 40, 40 c'est le chiffre de la génération. Donc une nouvelle génération commence et ils disent nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que c'est une nouvelle génération qui commence. Tel que c'est écrit dans le billet de dollars, on a mis une pyramide avec l'air à l'intérieur. Maintenant, que signifient ces histoires-là? Nous ont-ils pénétré depuis longtemps? Posons les fonds. Les fonds. Ok. Vous avez vu plusieurs fois, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes parti dans des églises, vous êtes parti dans des entreprises, vous avez vu ces logos, mais vous les avez négligés. Le premier est là. C'est un cercle. Apparemment, quand tu vois ces cercles, ça te dit quoi? Rien du tout. Et pourtant, le petit cercle que tu vois ici, depuis, regarde le retard que nous avons. Depuis le mois de mai 1968, cette histoire a été créée. Ça s'appelle Desan. Or, pourquoi Desan? Le San signifie quoi en français? Le soleil. Qu'est-ce que Pharaon adorait en Égypte? Le soleil. Représenté par un cercle. Mais pourquoi nous voyons des cercles partout? Même dans des nouveaux polos, tu verras des gens qui ont des polos, il y a seulement un cercle. Lui, il a porté le polo, mais il ne sait pas que c'est la représentation de quelque chose qui existe déjà, mais qu'il a porté. De Sun, S-U-N, c'est depuis que, à Rome, Augustin a dit ceci. Comme ces gens ici sont en train d'adorer les sabbats, si nous leur laissons les sabbats, ils auront la force de continuer avec leur Dieu. Nous allons bouleverser le calendrier juif pour prendre le dimanche, qui en réalité, c'est le calendrier hébraïque, demeure le premier jour de la semaine. Nous allons le faire retourner. Donc nous quittons le sabbat, nous leur dirons que le sabbat est le dimanche. Or, le dimanche tiré du mot anglais, San Day, le jour du grand soleil. Grand soleil. Autrement appelé chez les catholiques, le jour du grand architecte de l'univers. Or, les musulmans ont un autre nom. Ils n'appellent pas ça comme ça. Chez eux, c'est Shiva. Non, mais non, nous sommes dans l'ignorance, mon frère. Imagine ces histoires Dieu donné. Ça s'est fait depuis 1968. Nous sommes en 2020. Maintenant, quand on écrit San, écrivez-moi San. Je suis merveille. San, c'est S. S-U-N. U-N. Selon toi, c'est Sunday, il veut dire quoi? Sunday. Le jour du grand soleil. Du grand soleil. Donc, nous n'adorons pas Dieu le dimanche. Nous adorons le Dieu soleil. Nouvelle religion mondiale. Combien se sont retrouvés dans la nouvelle religion mondiale sans les savoir? Ils étaient en train d'adorer la bête qu'on appelle. Le grand architecte de l'univers. Dimanche n'est pas le septième jour, mon frère. Tous ces pasteurs qui vous mentent dans les églises où vous partez, ils savent très bien
qu'ils ont détourné l'adoration de Saba, qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour transformer l'adoration. Vous avez dit, on dit, la terre entière l'adorait. La terre entière l'adorait. Il adore comment? Parce que c'est la bête qui sort de la terre. Comment il adore? Je vous dis que c'est Vatican. Celui qui a modifié cela, c'est Vatican. Mais on dit que toute la terre l'adorait. Est-ce que vous croyez que si vous êtes en train d'adorer Lucifer, il vous dira que vous l'adorez? C'est lui qui a institué le samedi. Le sang de Ila, même le sang de là, ne veut pas dire seulement soleil. C'est une abréviation conventionnelle. Oh Seigneur Jésus. The sun veut dire the spiritual unity of the nation. L'unité spirituelle des nations. Ok, comment les nations sont-ils unies dans la spiritualité? Ils ne savaient pas, en adorant Dieu, dis-moi. Hosanna. Ce que nous disons là, tu n'as pas seulement besoin d'avoir le Saint-Esprit plein. Même si tu es un homme avec un esprit avisé, tu regardes la suite des choses que j'explique, tu comprendras toi-même. Quand on dit que le Sunday, c'est le jour du grand soleil ou de l'architecte du grand univers, Sun veut dire soleil. C'est la confrérie des illuminés. C'est pourquoi Kaka, Amaikari, soleil. Ekankar, soleil. Tous ces gens-là, ce sont des religions qui ont fait l'unité avec les nations dans la spiritualité en adorant la bête qui sort de la mer. Vatican, quel jour le dit? Dis-moi. Oh mon Dieu. J'espère que vous avez ce logo. Hein. Maintenant, on va donner quelques explications. Le mouvement de San, c'est un mouvement ésotérique. Créé par le catholicisme en termes de l'écuménisme. Vous verrez en Amérique, on dira aux gens dorénavant, nous allons tous commencer à prier ensemble. Ah, papa, comment nous? Nous sommes monothéistes. Nous croyons au Saint-Esprit, le paraclet, le communicateur indispensable de la grâce. C'est un Dieu. Vous allez nous amener vers le Bouddha. On va prier comment? Vous prenez l'islam, il est à côté. Nous allons prier comment? Et c'est comme ça que vous voyez certaines autorités politiques du monde commencent à provoquer des rencontres et des prières nationales sous la forme de l'écuménisme, mais les gens ne prêtent pas attention. C'est l'adoration de San. Notre Dieu est jaloux. Vous voulez adorer votre Dieu. Nous allons le faire comme Élie avait dit. C'était la question d'ailleurs pendant la prière qui était organisée au stade de Martyr. On s'est posé c'est la pour question. Te dire, si les chrétiens doivent se réunir eux-mêmes, papa, moi là, je viens le premier. Je ne refuse pas. Il y a 7 jours de la semaine. Pourquoi vous tenez à sorte que nous tous, nous nous retrouvons dans le système de l'écuménisme d'en bas cassé, que c'est le mouvement de Spiritual Unity of the Nation, qu'on appelle le mouvement écuménisme. Il lui fut donné le pouvoir d'exercer cela pendant 42 mois. Donc, le mois de juillet, 6e mois, c'est-à-dire le 30 de l'année 2023, maintenant, quand on aura vu que nous nous sommes unis, on va dissoudre maintenant l'église du christianisme. On va faire cesser l'offrande maintenant. Fini, le culte est terminé, vous tous vous êtes restés ici. Celui qui ne voudra pas sera tué. Mon frère, les choses sont en train de venir. C'est un mouvement ésotérique. Frère chrétien, ne vous mélangez pas avec les incirconcis sous le même joug. Quel lien y a-t-il entre les dieux monothéistes et les dieux polythéistes? Les bouddhistes ont d'autres dieux. Mais comment moi je vais me mettre avec un bouddhiste? Pour prier quel dieu? C'est pour te dire même les choses que j'ai dit ici. Toutes les persécutions que vous me voyez vivre là, les injures, les menaces, les sabotages, les colportages. Mais ce sont des persécutions, aujourd'hui c'est pour moi, non? Demain ce sera le tour de tous les chrétiens. Quand ils rient, on m'insulte, ils rient. C'est eux qu'on va insulter demain. Parce que l'écuménisme hein, voudrait que demain, vous aussi, vous puissiez vous taire comme on a voulu taire Bac. Voici le logo. Ah, vous allez prendre, hein, vous prenez. C'est ça? C'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Mais regarde ici. On a mis E à l'intérieur. Vraiment, il faut zoomer le plus proche possible, Yoshi. Tu verras, il y a un triangle avec trois mots. Je vais te le dire maintenant. Le triangle avec trois mots, le premier mot, c'est quoi? L'humanité. L'humanité. Le deuxième mot, c'est? Nation. Troisième mot, c'est? Monde. Donc, l'internationalisation que je te dis. La globalisation prendra l'humain de toutes les nations pour en faire un seul mot. Donc c'est ça l'idée, même du logo. Le logo explique. Maintenant, cette histoire-là, si vous le suivez très bien, je voudrais donner quelques explications. Hein. Le SIN,
trouve son siège social aux États-Unis d'Amérique, au Détroit. Je vais t'expliquer quelque chose qui va te choquer. Tu connais la lance qu'on a introduite sur le côté de Jésus, qui a fait sortir le sang et de l'eau. Tu sais pourquoi Israël faisait, pourquoi Hitler faisait cette guerre? On n'a jamais expliqué aux gens la vérité. C'est cette lance-là qu'Hitler voulait récupérer en Israël. Ah bon? Et ils l'ont récupéré. Pour en faire. Parce que c'est un pouvoir. On a dit, c'est l'arme ultime qui a mis fin au Messie. C'est une arme efficace où partout cette arme passera, il donnera la puissance à ces nations-là. Lorsque cette arme est passée en Europe, entre le mains d'Adolf Hitler, l'Europe a connu son ascension. Au moment où je te parle, cette arme se trouve aux États-Unis. C'est pourquoi descend le spiritual unity of the nation trouve son siège social au Détroit, aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, ils ont essayé de propager cela. Maintenant, ici au Congo, les gens ne comprennent pas. Ils ont le siège social à Détroit, à Chicago, à Atlanta, à Costa, je crois, en Californie, en Rhodésie, Nouvelle-Zélande, mais l'Angleterre a donné un siège social aussi en Afrique du Sud. Remarquez aussi en Afrique du Sud, tout ce que l'Angleterre dit, c'est ce que l'Afrique du Sud exécute. Si l'Angleterre reconfine les gens, vous verrez en Afrique du Sud, on va vous dire, nous sommes rentrés en reconfinement. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent le commandement du bâton, de la lance qui a tué Jésus, qui incarne tous ces gens-là. Mais ça s'appelle le SAN, le Spiritual Unity of the Nation. Maintenant, il y a encore un autre groupe qui travaille toujours dans le cadre d'une seule religion mondiale et un seul État, un seul gouvernement mondial. Ça s'appelle les UDC. Les UDC. J'espère que tu connais ça quand même. L'UDC, au même titre que The Sun, The Spiritual Unity of the Nation, ça s'appelle l'UDC, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. Vous n'avez pas entendu cette phrase-là au Congo ici? Il y a un pasteur qui a commencé ici, l'unité dans la diversité. Donc, on peut être unique, on peut être diversifié, que chacun garde sa diversité, mais que nous soyons unis. C'est la seule religion mondiale. Donc, l'unité dans la diversité ne peut pas exister, mon frère. Dieu nous a dit, je suis l'unique, hein, Dieu, vous adorez le Seigneur. Maintenant, l'unité dans la diversité, c'est ce logo ici. Ça. Maintenant, les États-Unis ont largement financé cela depuis 1982. L'unité dans la diversité voudrait dire que chacun devait laisser tomber sa religion pour essayer de fraterniser avec les autres, pour essayer de créer... C'est comme ça que tu vois le catholicisme commence à bien s'entendre avec l'islam. Parce que ces gens-là, quand ils vont se réunir, la guerre qu'ils vont faire aux chrétiens... papa, le vaccin... Ouais, bah, je regarde. Hein. Ils ont développé ce mécanisme... Hein. En nous donnant beaucoup de logos, je vais essayer de faire balancer cela. Papa, prends ça. Chaque fois que tu verras les gens, Alati et Loko, Na et Loko, ils travaillent dans cela. Tu as encore ça. Ah, c'est pourquoi vous voyez quelqu'un, professeur d'université, mais il a une chaînette au cou, la terminaison finit avec des choses pareilles. Même les garçons qui ont connu un accident sur le boulevard là, c'est compliqué, hein, Batou. Ils étaient à la maison. Tu peux imaginer que parmi les deux filles qui sont décédées là, si tu as les images, tu peux montrer. Parmi, oui, d'ailleurs, c'est partout, tu peux le prendre. Parmi ces deux filles-là, il y a une fille qui était mariée. Seulement les histoires de l'émancipation de la femme. La femme doit être autonomisée. Vous voulez autonomiser quelqu'un que vous n'avez pas formé? Avant de rendre quelqu'un autonome en termes de décision. Mais il faut qu'il soit formé, il faut un délai préparatoire. Tu peux t'imaginer que cette femme a quitté sa maison, ils étaient en chamaillade avec son mari, elle est rentrée chez elle. C'est la liberté qui a fait qu'ils ont appelé ces messieurs-là pour aller où? À Victoire, et plutôt en ville, pour aller danser. C'est la journée sur Rotana, tout ça. Ils ont été à Kinkole, Rotana. Tu as vu les images? Oui. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire aux gens, quand ta sœur est mariée légalement,
ne sois pas pressé de pouvoir la proposer quand elle dit que ça ne va pas. Le septe première année du mariage, c'est le septennat de l'épreuve du mariage. Tous ceux qui réussissent cette épreuve après 7 ans réussissent leur mariage. Mais pendant les 7 ans, quand un mariage n'a pas reçu la preuve de l'authenticité de votre union, vous ne vous êtes pas séparés. Après 7 ans, vous commencez à comprendre les choses. La pauvre femme, quand elle est sortie morte, l'autre était, elle est allée mourir à l'hôpital. Tu sais qu'il y avait un PD à l'intérieur. Oui, qui est sérieusement malade. Les doigts coupés. Le pédérasme. Et tu sais quoi? Je vais te révéler quelque chose de très important. Dans la voiture, on a trouvé quoi? Cerquet. Un petit cercueil. Avec des statuettes. Deux statuettes. Avec une chaînette. Un drap. Rouge. Rouge. Maintenant, quand je vous disais que la couleur est rouge, la dernière fois, symbolisait quoi? C'est le pouvoir du nocturne. C'est le sacrifice des bacanes, le sacrifice de la soirée. Ces deux filles étaient déjà sacrifiées la veille. Ce que vous avez vu, ce n'était que la matérialisation. C'était une parenthèse. Maintenant, papa, à l'un de l'époque, on a rapport au Koyaboukoti. Ça, quand vous voyez ceci, sortez de la sérénité dans la diversité. Oh, yo, yo. Il y a même un pays où le ciel est trop noir. Jusqu'au moment où je vous parle au kétisme, Koti Makasi Nambokawana. Représentation de Bongoyango. Ça s'appelle quel pays? Ça, tout le monde connaît. L'Angola. Ça. La grande lutte entre la lumière et les ténèbres, les ying et les yang. Autrement représenté comme ça. Les ying et le? Les yang. La grande lutte entre les ténèbres et la lumière. Soit, oh yo. C'est bon? Regarde ça encore. C'est l'unique. C'est l'objectif du catholicisme. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement qu'on cherche toujours l'image qui peut détourner les gens du christianisme. L'œcuménisme est l'arme efficace pour permettre aux gens d'abandonner Christ. Maintenant, il y a sept jours. Bon, en tout cas, pour respecter toutes les autorités, hein, nous ne refusons pas les prières, mon Dieu. On ne peut pas refuser, la religion ne peut pas diviser les gens. La religion doit nous unir. Mais la religion ne va pas nous unir dans la diversité. Je propose, comme le pays est en train de subir les événements des cinq, j'appelle ça la guerre des cinq jours du mois de septembre. L'université de la foi chrétienne est entrée cinq jours en guerre. Et les résultats sont visibles maintenant. Nous avons pris le vase. Nous avons brisé. C'était quelque chose de très grave. Et j'ai fait cinq jours malade, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je ne ressentais pas mon corps. Parce que nous avons osé transporter le destin prophétique de la RDC en prière. Lundi, mettez l'islam. Salam alaikum. Alaikum salam. Mais lundi. Allah Kubar Alay. Très bien. Beaucoup de respect, je salue tous les musulmans. Car j'en ai les amis. Prenez le lundi, papa. Mardi. Bon, non, nous, on n'a pas de problème. Donnez les bouddhistes, donnez les gens de Baïkari. Hein? Vous, comme vous-même, comme vous êtes déjà là-bas, allez là-bas, allez prier. Si vous estimez que vous avez pris la franc-maçonnerie, non. Mettez seulement que l'autorité politique n'a pas de religion. Allez, on va comprendre. On ne vous force pas. Allez-y, mardi, mercredi. Prenez les anciens camarades de Yoshi. Allez-y prier là-bas. Mais Yoshi a dit, il ne va plus enlever les chaussures. Ah, Yoshi, ça va pas, ça va pas, papa. Pas nous, Angaye, Seigneur Jésus. Le monde, toi qui ne dois plus éviter. Toi qui ne dois plus la bête qui monte de la terre. Nous, donnez-nous notre jour, mais ça ne doit pas tomber le dimanche.
Hein, si vous nous faites tomber le dimanche, nous vous disons, nous on ne priera pas les dimanches. Parce que le dimanche c'est le San hein, Day. Or San, c'est l'abréviation de Spiritual Unity of the Nation. C'est l'écuménisme, Apocalypse chapitre 13, les versets 11, verset 15. Toute la terre adorait la bête sans le savoir. Mm. Par quoi? Par le dimanche. Bon, maintenant, nous avons vu beaucoup de logos ici circuler dans le monde. C'est que les gens doivent comprendre maintenant. Mmh. On a donné à la bête le pouvoir d'animer l'image. Cette image, c'est le nouvel ordre mondial. Qui a des cornes avec une seule religion mondiale. Ok. Donc les gens doivent retenir que maintenant, nous passons vers une nouvelle période de l'histoire. Mais j'ai quand même un logo que les gens voient beaucoup. Qui est fréquent. Très fréquent. Même les chrétiens. Papa, prenez-moi ça. Apple. Apple. La paume. Mm. Bon, maintenant, je voudrais quand même faire un petit exercice avec vous. Parce que demain, c'est vous qui allez parler de ces histoires. Ne croyez pas que même ces gens qui nous laissent la liberté de parler aujourd'hui... sur YouTube de ces choses, ils vont nous laisser la liberté de parler tous les jours. Il viendra un jour, vous allez chercher les DVD et les CD des émissions que je suis en train de faire. Parce que un jour, nous devrions savoir qu'ils ne peuvent pas nous laisser leur support pour les déshabiller. Mmh. Apple, c'est quoi? C'est la marque de quoi? C'est une grande marque. Okay. Bon, on va essayer de... Je vais dire un petit commentaire. Vous savez, la première fois, lorsqu'on a lancé Apple, le premier chiffre qui est à Paris avec Apple, c'était le chiffre 6 trois fois. Beaucoup l'ignorent. Des deux. Le Apple ici, c'est aussi le logo de ce qu'on appelle les réalistes. Il y a un groupe d'hommes occultes qu'on appelle les réalistes. Leur logo, c'est des Apple. C'est le marché d'une partie. Maintenant, rentrez dans la création des choses. Je vous ai dit que l'image, c'est la représentation de quelque chose qui existe déjà. Un symbole, c'est le nom dit, mais par une représentation. Mmh. Maintenant, quand on vous montre des Apple ici, tout le monde, Apple, et les portables, Apple, et les computers, Opel. Donc, les autres ont porté même des chaînettes avec des Apple. Mais maintenant, on va expliquer très bien. Qu'est-ce qui était interdit dans les jardins d'Éden? Tu mangeras des fruits des arbres, de tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais au sujet du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, tu n'en mangeras. Maintenant, quand on a mangé le fruit, qui avait touché? Qui a pris le fruit le premier? Ève, n'est-ce pas? Oui. C'est la femme, n'est-ce pas? Écoute, le fruit là, ça s'appelle quoi? Le fruit interdit. Il a, quand tu manges la mangue ou les épaules, tu crées un trou. Un trou, oui. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire comme message? Pour la nouvelle, c'est une pomme, bah, liandam. On pousse la femme à manger et le kouana. C'est-à-dire, si Ève, qui représente la femme et qui représente l'image de l'Église, a refusé d'obéir à la loi de l'Éternel, a mangé le fruit interdit, poussait aujourd'hui Ève, qui représente la femme spirituelle, à manger le fruit interdit, c'est-à-dire la connaissance interdite à l'Église, qui s'appelle la Frama, autrement dit. Nouvelle religion mondiale. Autrement dit, l'écuménisme. On pousse maintenant les gens à manger le fruit interdit, c'est-à-dire ce que Dieu a interdit. Or, tant que la question pomme va kati, c'est-à-dire, bon, le mouvement, on va payer. C'est pourquoi je demande à tous les peuples d'Elohim, une telle sagesse, une telle intelligence, ne peut provenir que de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Qui a le souci de voir son église revenir à lui. Mm. Parce que si Satan est allé tenter la femme, c'est parce que la femme avait séduit l'homme. Or, la Bible dit, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Lucifer, aujourd'hui, est représenté par les faux docteurs. En accord avec 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 au verset 2. Voici ce que la Bible dit.
il y a eu parmi des peuples de faux prophètes. De même, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses qui renia le maître qui les a créés. Maintenant, cette portion des Écritures nous ramène vers la bête qui monte de la terre. Ça veut dire, si Lucifer est venu solliciter la femme, c'est pour dire, il adviendra dans la suite des temps que les faux docteurs qui émanent du monde occulte viendront faire introduire à l'Église des enseignements qui seront sournois pour séduire cette fois-ci la femme spirituelle. Or, le problème qu'ils ne comprennent pas, s'ils ont réussi à séduire Ève, c'est parce qu'Adam s'était déplacé. Or, celui qui s'est déplacé en forme de celui qui était enlevé a dit « Je m'en vais ». Mais je ne vous laisserai pas seul parce que je sais que Lucifer viendra pour solliciter l'Église. Je vous laisse le consolateur, c'est-à-dire le paraclet. Autrement expliqué en hébreu, paracleta, ça veut dire celui qui va nous aider dans notre faiblesse. Quelle était la faiblesse de Ève? C'était la puissance de Adam. Or, si le paraclet est là, ça veut dire que les faux docteurs viendront avec leurs faux enseignements. Mais ils ne peuvent pas cette fois-ci faire tomber l'Église qui représente la femme, puisqu'il a laissé le pas. Le paraclet. Or, puisque le paraclet est là, on sait qu'il prépare une dernière séduction. Amener les gens en enfer. Voilà pourquoi l'époux a dit, je vais anticiper. Je m'en vais vous préparer une... Alléluia. Il y a mal en haut, yo. Ewa kokoyate. Il y a un rocher qui a été fait pour le berger. Berger Liboso. Azotea. C'est la talisima. Amalekite. Amalekite, c'est le Israël. Papa, je vais répondre à la vie. Pour sortir de l'esclavage, ça demande la foi. Mais pour conquérir Cana, il faut devenir combattant. Parce que vous n'avez pas tout. Et on a battu tout ce bon tour, on va empâter. C'est la commission à TV, à Théaka, à Lobaka, à Gandaka, à Internet et Réunion. Bissot, Roland Bissot, nous allons te retirer les brebis du Seigneur. Yango Somona, R. Moko Somona, Banezret Abazou Malakana. Balobiono, nous avons la foi. Babunda, Bassona la Pharaon, pour que Dieu te délivre du péché, pour t'amener à la lumière, il n'a besoin que de ta foi. Mais une fois que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que maintenant tu dois aller en possession de Canaan. Si Israël attendait une terre géographique, nous, notre Canaan s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Or, les choses que nous devons posséder, pour l'instant, c'est entre les mains des païens. Alors, pour arracher quelque chose d'entre les mains des païens, cela demande maintenant que tu sois quoi? Combattant. Il y a un moment où je ne sais pas si tu es combattant. Ba malekite, voici ba bomeninga des brebis. Na makamba lobi lobi na te voyo, si je m'étais. Je vais perdre des brebis. Alors, comme David, je fais un sursaut évangélique. Je change la peau des prophètes. Je rentre dans la peau des bergers. Je rentre derrière. Je saisis la malekite. C'est la dernière fois. Ouvre la gueule. Il ouvre la gueule. Je reprends tous les brebis qu'il voulait bouffer. Je fais retourner et les gens disent tu es là, j'ai que Bakazan a raison. Malamoko, parce qu'il a prié. Papa, ma camtozo, c'est le toko, mais la période moko, aux la distraction, il y a eu bambati. Or, là, ça me colle bambati. Je suis de la génération de la clé de David. Mais il y a 7000 qui sont en train de se préparer pour venir. Alors moi j'ai décidé, maintenant, tu as colombé l'Apocalypse dans les détails. Je vais te fournir de l'eau. Il y a eu un temps de ressources dernièrement, autour de la question. Mais papa, on a la bête qui montait de la mer, c'était la bête qui montait de la mer avec 10 cornes. Ça représente 10 royaumes. Je vais l'expliquer, c'est déjà venu. Et la bête qui sortait de la mer, c'est la mer méditerranéenne. La plus grande mer que nous avons. Au-delà de la mer méditerranéenne, les 10 royaumes sont sortis là-bas. Maintenant, nous avons une autre bête qui sort de la terre, il n'a que deux cornes. La première corne, c'est les... La religion. La religion, et l'autre, c'est les... L'État va faire le nouvel ordre mondial. La religion va faire quoi? Une seule religion mondiale. Nous sommes en train d'en parler maintenant. Si on vend à Ipsang à la TV, je refuse. Je refuse. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui enseigne un homme. Il parle par la bouche d'un homme. Mais les Congolais disent quoi? Parce que c'est un Congolais. Allons-y. Mais si j'avais la peau blanche, je minimiser le Timbangwa, je minimiser le Tuminene, je minimiser frère, l'émission est finie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement. Nous allons prier pour Sion. À la fin de cette émission, alors je crois on va prier. Je demande seulement aux gens
L'une des attributions du Saint-Esprit, c'est d'arrêter la propagation rapide. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Je demande à tout le peuple de Dieu de beaucoup prier pour moi, de beaucoup prier pour Sion, d'ouvrir grand. Dans des paroles simples, la RDC deviendra les États-Unis d'Amérique. Les gens croient que je blague. Je crois que le grand sursaut patriotique qui est en train de se faire, ils vont comprendre maintenant que les vases brisés et les sacs brûlés de la guerre des 5 jours du mois de septembre en faveur de la nation africaine, c'était le moment où nous avons bouleversé les données. Je vous ai dit, sur les frontières de la RDC, j'avais fait fermer Tokangango. Moutorobi Mazate, papa. Bon, nous avons prophétie pour Yokango. Bon, nous avons pas besoin de Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Je vais recommander Sion entre tes saintes mains. Ceux qui croient en toi comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup sont aux États-Unis, beaucoup sont en Europe, beaucoup sont en Asie, en Australie, à Elohim. Voici que la bête qui monte de la terre veut imposer un seul système du gouvernement mondial en réduisant ton peuple, comme il fit, Père éternel, le cas des Égyptes, dans le livre d'Exode au chapitre 1, au chapitre 2, 3, 4. Ils ont empêché nos ancêtres de se multiplier. Mais alors qu'ils voulaient faire la dépopulation des Hébreux, la Bible dit, ils se sont multipliés comme les sables de la terre. Hosanna. Donne la puissance à l'Afrique de reprendre le contrôle de l'humanité. Donne la puissance à la République démocratique du Congo de paître maintenant et de présider à la destinée de la mission évangélique dans le monde, financée par la force des matières premières que tu nous as données. Dans le nom de Jésus, je prie que tu protèges tous les saints de Sion. Fais quelque chose en leur faveur en ces moments de persécution. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tout contact, plus 243, 90, 79, 66, 785. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé et nous avons bénéficié de beaucoup plus de révélations. Continuez toujours à contacter l'homme de Dieu. Si vous avez des questions, suggestions, remarques, n'hésitez surtout pas. Les numéros sont affichés au bas de vos petits écrans. Vous avez les numéros de l'évangéliste Roger Baka qui vous permet d'être en contact bien sûr avec lui. C'est lui seul que vous allez recevoir. Il n'y a pas de secrétaire. Et si vous avez besoin également de soutenir l'homme de Dieu, n'hésitez surtout pas. J'ai toujours dit que la chaîne elle est commerciale. Nous sommes les gars, awa izalaga mongo, mongo, mongo. Alors, si vous avez bénéficié de quelque chose, n'hésitez surtout pas. Soutenez l'œuvre de Dieu et vous serez bénis. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner sur Évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance Télévision. Je voulais demander une faveur dans la Nouvelle Tendance aussi. Oui. Si vous pouvez signaler nos frères, nous avons constaté que pendant le fête, les chrétiens sont très persécutés. Pendant le fête des fins d'année. Et c'est quoi cette persécution? La diaspora représente à peu près 90% du financement de la vie de ceux qui sont ici en RDC. C'est une communauté qui finance beaucoup les familles en RDC. C'est une communauté à respecter. La diaspora, chapeau bas, il faut respecter cette catégorie de gens qui n'ont pas de terre, qui vivent dans des nations qui ne sont pas les leurs, mais qui soutiennent leurs familles en République démocratique du Congo. C'est ainsi que je profite de l'occasion pour dire, si vous avez des difficultés à envoyer de l'argent, parce que quand vous arrivez au niveau des agences, il suffit seulement qu'on écrive, papy, avec I, au lieu d'écrire avec Y. On vous dit carrément, dites à votre frère là-bas de changer le nom. On ne vous sert pas. On ne vous sert pas. Maintenant, l'évangéliste Roger Baka, à travers Sion, l'université de la foi chrétienne, met à votre disposition l'agence Western Union. Appelez-moi. Dites-moi, je vais envoyer de l'argent pour mon frère, mais là où il va, on les complique. Où il a un problème d'identité. Parce que la crainte avec les transferts de fonds, c'est de donner de l'argent à quelqu'un qui n'en est pas le propriétaire. Mais dès lors que l'envoyeur m'a confirmé qu'ils appellent tel, il va prendre, je vais le servir. Maintenant, j'ai dit aux chrétiens, voici le meilleur endroit pour faire vos finances. On est en train de mettre à ma disposition la licence par la grâce de Dieu, le monde de tous, de MoneyGram. Celui qui veut investir, devenir partenaire pour MoneyGram, c'est le moment. Le dépôt n'est pas grand-chose. 10 000 divisé en deux parties.
5 000 dépôt pour la licence, 5 000 pour le coffre-fort. Maintenant, vous bénéficiez des mêmes commissions en termes de pourcentage avec Western Union. Donc, à la fin de ce mois, soyez très nombreux à nous écrire, à nous appeler pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous faciliter le transfert des fonds de Kinshasa partout dans le monde et du monde à Kinshasa. Faites attention. L'Église ne doit pas se limiter à parler seulement de la Bible. L'Église doit être comme cette eau qui est en train de pénétrer une ville, qui commence par les genoux, qui monte vers la hanche jusqu'à posséder la hauteur. L'Église doit influencer l'humanité. Nous devons reprendre le contrôle de tout ce qui est stratégie mondiale. Parce qu'il y a ces gens-là, si on les laisse tout. Papa, au moins en théorie, tu t'appelles comment? Oh, Roger Bac. Tu veux retirer combien? Au milieu, on dit non, pas toi. Bima, quelle agence n'est-il de l'homme? Pourquoi? Parce que ces gens-là sont en train de vouloir occuper petit à petit nos marges de liberté. Que Dieu vous bénisse. La publicité derrière, tu l'as, tu peux le diffuser. Merci beaucoup à vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voici une nouvelle adresse, mesdames et messieurs. Alors n'hésitez surtout pas, faites-nous confiance. Continuez à faire vos transactions et puis vous serez servi sans problème. Surtout, donc, je vous dis encore et j'insiste, ok, vous avez une nouvelle adresse et c'est la bonne et la meilleure. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve très, très prochainement. Merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés. Nous avons Yoshi et Gédéon. Alors, on se retrouve très, très prochainement si le Seigneur nous accorde encore et la grâce. Alors, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.
maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Starte la danse du moment. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h, billetterie au point de vente habituel. Shalom. Dorénavant, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, venez faire vos retraits et vos emplois de Western Union chez l'Université de la foi chrétienne sur Camp Babylone, à Kitambo. Dorénavant, vous pouvez faire vos envois et vos retraits. Nous demandons à tous les étudiants, à tous ceux qui sont en Europe, partout dans le monde, d'utiliser Western Union, mais demandez à vos amis, aux frères, de venir faire leurs envois et leurs retraits à Kitambo, en Babylone. Western Union, l'agence de transfert de fonds, Université de la foi chrétienne. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'un mètre au moins. Essayez na biso nyonso ko sokola deux fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Et peki sami na mutu nyonso na ko simba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Essayez na biso le sous souhaite ko lata ba gants. Ce que moni ba septembre oyo bazali ko lobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene pene na hôpital po ezali pembeni na biso. Pour éviter ma communion, Soana, salela. Tomi Batela, coronavirus Ezako Boma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Nandimi ko salela mibeko. Nandimi ko tosa mibeko.